Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réussir. Vous connaissez l'émission de radio Réussir. Aujourd'hui, la radio est filmée, alors nous aussi, on s'y met. Rien n'a changé, tout le monde a droit d'exprimer son point de vue, quelle que soit son expérience et ses convictions. Générique. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Ça veut dire quoi, réussir ? Avoir un emploi ? Beaucoup d'argent ? Être propriétaire ? Être épanoui au sein de sa famille ? Et si le fait de réussir consistait d'abord à être et faire ce qui nous ressemble ? Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Bienvenue, nous sommes à Atlantis, le centre. Atlantis, le centre, c'est à Saint-Herblain pour les internautes qui nous regardent un peu partout en France ou même ailleurs. Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, c'est ici qu'on a décidé, avec la galerie commerciale Atlantis, avec la ville de Saint-Herblain, avec le lycée Nicolas Appert à Orvault, qui nous a fait le plaisir de rencontrer les BTS Hôtellerie-Restauration, première année de BTS, la classe de BTS. Je voudrais vous entendre, évidemment. Quelle belle rencontre on a fait en préparant cette émission et quelle belle rencontre on vous souhaite, eux qui ont décidé bien d'interviewer plusieurs dirigeants d'entreprise. Ils vont les questionner sur leur parcours, sur leurs expériences, sur leur représentation. Comment est-ce qu'on dirige son parcours professionnel et personnel? En quoi est-ce que ses convictions rejaillissent dans son modèle d'entreprise, dans son restaurant, puisqu'ils ont en commun tous les trois dirigeants que nous allons recevoir, de diriger des restaurants. Nous accueillerons Maxime Pinault, il dirige le restaurant L'Usine. Maxime Pinault sera notre invité. Nous accueillerons Birgitta Ellingso, elle a créé Madame Blas à Nantes. Nous accueillerons dans un très court instant Jérôme Bourgeois, c'est le gérant de l'atelier des chefs. Il vient de créer un tout nouveau concept. On est vraiment au cœur de l'actualité, évidemment ce sera l'une des questions qu'on lui posera. Pourquoi est-ce qu'il a créé ce nouveau concept qui s'appelle Sapio, ça veut dire humain en grec, et ça vaut plusieurs questions, rien que ça. Jérôme Bourgeois sera notre invité dans un instant. Et puis dans un deuxième temps, dans une deuxième partie, eh bien nous nous intéresserons au verbe se nourrir. Ça veut dire quoi se nourrir quand on est étudiant en hôtellerie, en restauration? Est-ce que ça parle que de nourriture? Est-ce que ça parle que d'assiette? Ou est-ce que ça veut aussi parler d'autre chose? C'est l'une des questions qu'on posera avec mon complice Rodolphe Collet. Bonjour Rodolphe. Bonjour David. Réalisateur de cette émission, oui. Et animateur à la fois, vous avez tous les talents. Multitâche, multicarte, couteau suisse, c'est moi. C'est vous, Rodolphe. Il est temps d'accueillir notre premier invité. Il va se lever, c'est Jérôme Bourgeois qui rejoint le studio. Bonjour Jérôme Bourgeois. Bonjour à toutes et à tous. Je mets mes oreillettes pour être vraiment au cœur de la discussion. Bienvenue, je vous ai déjà fait de la radio, je vous ai déjà vu à la radio, vous. Oui, ça me rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose. Approchez-vous bien du micro. C'est de la radio filmée et croyez-moi, le casque va être utile dans ce lieu magnifique que constitue l'espace détente de la galerie commerciale Atlantis. Vous allez être interviewé par plusieurs journalistes en devenir, en tout cas des futurs professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, qui ont décidé d'utiliser les micros pour mieux vous connaître. Je vous présente Rémi, Chloé, Juliette et Solène. Applaudissements pour nos intervieweurs. Chloé, Solène, vous avez rencontré Jérôme Bourgeois, évidemment, pour préparer cette émission. Vous êtes déjà professionnel dans votre façon de faire. On était où? On était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour restituer un petit peu la situation, c'était un mardi, il y a 3 semaines. Donc, à 15h30, on arrive... Oh, c'est précis, hein. On dirait du Pierre Belmar dans le texte. On arrive un petit peu en retard. On rejoint Juliette, qui est déjà arrivée. Et donc, on rejoint également Monsieur Collet juste devant. Ensuite, Monsieur Collet, c'est le réalisateur de l'émission, c'est Rodolphe. Ça. Voilà. Il nous invite donc à monter à l'étage puisque le rez-de-chaussée est en travaux justement pour le nouveau concept. C'est vrai. Et donc, je vais laisser la suite à Solène. Donc là, on a juste le temps d'observer un peu un cours de cuisine qui se déroule juste à côté de nous. Et puis après arrive l'arrivée de Monsieur Bourgeois qui nous accueille donc assez chaleureusement. La première question, qui est-ce qui la pose à Jérôme ? Lorsque vous étiez jeune, vous rêviez d'être chef étoilé à 28 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait dans votre parcours que ce rêve a changé finalement ? Oh, beaucoup de choses. Je pense que quand vous débutez de toute façon en cuisine, puisque moi j'ai débuté par un CAP, BEP, puis les choses
les choses venant, j'ai pu évoluer un petit peu. J'ai ensuite développé vers un BTA. Je suis monté sur Paris à l'école Ferrandi pour faire un BTS en apprentissage. Et constatant que je pouvais continuer mes études, je me suis orienté vers un diplôme de management hôtelier international. C'est un master à l'ESSEC. Donc tout au long de ce parcours, moi j'avais toujours cet objectif d'acquérir suffisamment en fait de compétences pour pouvoir gérer un restaurant au top. Quand on avance comme ça, on se dit pourquoi pas essayer l'étape suivante, et s'il n'y a pas de frein spécifique, pourquoi pas. Donc ça a été là-dessus. Et puis c'est vrai que le dernier diplôme que j'ai eu, qui est quand même un bon diplôme au niveau international, reconnu, m'a incité à aller voir d'autres choses, tout en gardant à l'esprit qu'il est nécessaire, quel que soit le type de restauration ou d'hôtellerie, d'avoir pas mal de cordes à son arc. Donc j'ai un peu géré toute ma carrière sur ce plan-là, fonctionner sur de la cuisine, fonctionner sur de la restauration, prendre des postes même de stewarding par exemple, pour acquérir un maximum de compétences. D'accord. Alors par contre, on va juste revenir au niveau de votre enfance, là où tout a commencé. Vous avez donc là où tout a commencé. Nous sommes en quelle année? Je préfère pas préciser l'année pour monsieur Bourgeois. Vous avez donc 8 ans, vous êtes déjà un grand fan de Madeleine. Et puis un jour, vous ouvrez vos placards, plus de Madeleine. C'est le drame. Et là, c'est le drame. Votre mère vous achète donc tous les ustensiles et tous les ingrédients dont vous avez besoin et vous dit maintenant, tes Madeleine, tu vas les faire. Ça a été le déclic ou pas? Ah oui, ça a été ça complètement, parce qu'en fait, moi, jeune effronté, constatant qu'il n'y avait plus mon produit fétiche à consommer, j'ai été la voir et je lui dis, sous vous mes Madeleines. Et c'est un peu énervé. Elle m'a dit, écoute, si tu veux en manger, t'as qu'à les faire. Et moi, je lui dis, banco, t'as qu'à m'acheter les moules. Et je me suis débrouillé, ça a démarré comme ça. Votre carrière démarre à ce moment-là? Je pense que c'est vraiment parti de là, parce que je suis pas du tout issu d'une famille de la restauration. Alors mon père, métier de bouche dans le sens où il était chevillard, il fournissait les boucheries, mais j'ai simplement pas de cuisinier dans la famille, personne dans la restauration. Je pense que c'est vraiment parti de là. Il y a un amour du produit qui est peut-être la gourmandise aussi. Ça peut aider. Rapidement, il a fallu que je choisisse entre reprendre la boîte de mon père ou faire autre chose. J'ai décidé d'aller en cuisine. Après, je me suis posé la question, est-ce que je fais de la pâtisserie, est-ce que je fais de la cuisine? J'ai décidé de partir sur le large, donc j'ai pris la cuisine pour commencer. Et puis après, j'ai eu quand même l'opportunité de faire des belles choses en pâtisserie. C'est pas une conviction première, hein, si j'ai bien compris. C'est ce que vous avez entendu aussi, l'équipe d'intervieweurs. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, ouais. Oui. C'est né, c'est monté en puissance, c'est possible donc. Ah oui, complètement. Oui. Mais je pense qu'il faut. Après, j'avais 8 ans, donc à cet âge-là, on veut encore être pompier et tout. Justement, c'est de ça que vous rêviez quand vous étiez enfant? D'être pompier? Enfant, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais c'est vrai que quand il a fallu faire un choix... Eh bien, nous avons des images, regardez. J'aimerais bien les voir, alors. Quand il a fallu faire un choix, parce qu'en troisième, il faut choisir. Ah, il faut ramener sa petite fiche à son professeur principal et lui dire, là, quelles sont les trois professions que vous aimeriez exercer. Donc moi, en un, j'avais mis cuisinier. En deux, j'avais mis prof de géo, parce que j'adorais la géo. Prof d'histoire, pardon. Pas la géo. Prof d'histoire, parce que j'adorais ça. Et puis, avocat. Donc, voilà, rien, vraiment absolument aucun rapport. Okay, mes profs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'empêcher d'aller en cuisine. Ils ont changé tous les ordres de passage, enfin les ordres de sélection que j'avais fait, etc. Mais j'ai tenu bon, j'ai fini par réussir à aller passer les entretiens sur une école hôtelière. J'ai démarré comme ça. Donc c'était vraiment un choix, c'était pas là par accident et je le regrette rien du tout parce que c'est un très très beau métier. C'est pas facile tous les jours, clairement, mais c'est un très beau métier. Adolescent, à quoi ressemble Jérôme? En fait, j'ai commencé à 14-15 ans. On n'a pas de photo, faut BEP. Je suis un peu comme tout le monde, un peu boutonneux. Je suis arrivé le drame de l'entretien à l'école hôtelière, parce que c'était encore la vieille école à l'époque. Donc je me rappelle de Madame Imbert, qui était la directrice de l'école de Saint-Vingrand, qui était à l'époque une toute petite école. Il n'y avait pas beaucoup de. Ça a bien grandi depuis.
Mes premières choses, je suis arrivé, moi j'étais un fan de hard rock et j'avais les cheveux longs. Et je suis arrivé, elle m'a regardé, elle m'a même pas dit bonjour, elle m'a dit si jamais. La première chose qu'elle m'a dit, on va commencer par se couper les cheveux, jeune homme. Et là, il fallait vraiment que j'ai envie, parce que envie de rentrer dans une école hôtelière, parce que couper les cheveux, ça a été un drame. Il faut de la discipline, hein. C'est important la discipline. Oui, ah oui. Pour apprendre l'hôtellerie-restauration. Non, ouais. Vous êtes d'accord, les intervieweurs, oui, avec ça? On lancera peut-être. Oui. Oui, tout le monde acquiesce dans le public. Je sais pas s'il y en a. Mais moi, je me souviens très bien de cette époque où, en fait, en termes de discipline, Madame Imbert était tous les matins à l'entrée pour vérifier que les uniformes étaient nickel et qu'on était représentatif du métier. Ouais. Non, nous, c'est un petit peu ça aussi. Quand on est en cours, on a une tenue assez stricte et on peut pas porter ce qu'on veut quand on veut, quoi. Donc c'est resté un petit peu comme ça aussi. Forcément. Autre question pour votre invité. Jérôme Bourgeois est notre invité dans Réussir et c'est le premier invité de cette émission que nous enregistrons le 30 janvier 2015. Qu'est-ce qui vous plaît le plus exactement dans la cuisine? Déjà, moi j'aime bien la cuisine parce que c'est une expression déjà très humaine. Je pense que c'est très artistique. J'ai coutume de définir la cuisine comme étant un art à 5 dimensions. Parce que ça fait travailler tous les sens. Vous allez avoir la vue, alors, en premier ça va être l'odorat, après vous allez avoir la vue, le toucher, le goût, tout y est. Et ça je trouve ça exceptionnel. Et je pense que, en tout cas pour la partie cuisine, il faut vraiment être artiste un peu pour rester dans ce métier et continuer à travailler sur la cuisine. Faut aimer ça. Voilà. Vous êtes plus créatif que seulement assembleur? Si je puis utiliser cette identité-là. Un bon chef de cuisine sera capable, je pense, de tout assembler. Il aura cette dose de folie pour créer des plats et trouver des associations de saveurs, soit classiques, soit détonantes. Mais en tout cas, il aura cette capacité de doser, de jouer sur les couleurs. Comme je disais, c'est vraiment 5 dimensions. Il y a tout qui apparaît dedans. Un plat, vous n'allez pas commencer à le déguster au moment où c'est dans votre bouche. L'assiette, elle arrive, elle est à 3 mètres. Déjà, vous avez... Vous allez savoir si vous ou non vous avez envie de la manger. C'est vrai. Donc c'est la première étape. Donc il y a un vrai dosage professionnel là-dessus. C'est pour ça que c'est un métier éminemment humain. Vous allez y faire passer votre personnalité, votre style. C'est très identifiant de ce point de vue-là. Donc on passe maintenant de l'adolescence à la trentaine. Vous avez déjà une carrière assez importante derrière vous. Et sur un coup de tête, là, vous décidez, après avoir vu une publicité sur le Sunday Times, de partir un an faire un tour du monde en voile. Pourquoi cette décision? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là? Essentiellement, je pense que je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'avais envie de changer, tout simplement. On va dire que la conjonction des étoiles a fait que cette pub a... La conjonction des étoiles. C'est côté artistique. Non, mais en fait, je pense que c'est vraiment ça. Il y a un moment dans une carrière où vous arrivez à certaines choses. Bon, moi, j'ai toujours eu l'habitude déjà de changer à peu près tous les 18 mois de poste, en général pour prendre du galon. Mais il y a un moment où, à l'époque, je travaillais en Angleterre. J'avais déjà fait pas mal de choses, des ouvertures. J'ai géré un contrat de franchise, je faisais du multisite, j'avais pas mal de choses. Mais fondamentalement, je pense que je prenais pas tant de plaisir que ça à ce que je faisais, pour tout un tas de raisons, et que j'étais tellement pris dans le boulot qu'il fallait que je fasse une grosse pause. Et je pense que quand on est à taper dans les 60, 70, 80 heures par semaine, il n'y a pas 36 solutions. Il y a un moment où vous dites stop, hop, je passe à autre chose, je vais aller découvrir autre chose, et c'est ce que j'ai fait. Alors du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce tour du monde, de cette pause que vous avez pris pendant un an? Je pense que, alors, d'où c'est venu? Bon, il y avait cette envie sans doute d'une pause professionnelle, et aussi le fait que j'étais en monde en zone anglo-saxonne. Je travaillais en Angleterre, mais j'ai aussi avancé à travailler au Moyen-Orient, et la dernière école que j'ai faite est une école franco-américaine, avec 80% des cours en anglais. Donc je m'étais un peu habitué à cette idée d'une gap year, qui est généralement faite à vos âges, hein, 18 ans, 18, 20 ans, vous partez un an, vous faites un peu du militaire, vous faites du sport, des choses comme ça. Et moi, j'ai trouvé cette idée assez séduisante, donc je me suis inscrit quand même pour un challenge, parce qu'on était sur une course, même si c'était une course pour amateurs, c'était une course autour du monde.
une dizaine de bateaux, des Dubois 68 qui étaient bâtis pour la haute mer entre guillemets. Donc trois mois d'entraînement avant de partir, parce que bon, normalement, à part avoir fait de l'obicat le long de la côte quand j'étais jeune. Là, vous m'avez perdu là avec vos termes techniques. Là. J'avais pas. L'obicat, c'est un petit bateau. En clair, fait, des Dubois 68, je veux dire. C'est, ah oui, oui, c'est évident, d'accord, ça. Ok, je comprenais pas. L'obicat, c'est un petit bateau qui fait de la, juste pour faire de la régate côtière, c'est tout. Hein. Ouais. C'est pour s'amuser quand on est ado. Mais là, on parlait de choses beaucoup plus sérieuses, puisqu'on partait, on partait trois semaines en mer quand on partait sur une legue. Et le mieux qu'on ait fait, c'était 48 jours entre la Chine et le Canada. Donc là, c'était Pacifique ouais. Nord, donc assez intéressant de ce point de vue-là. Mais il y avait quand même ce côté challenge parce qu'on était, on était sur une course. Donc il y avait des étapes, on est parti de Liverpool en l'occurrence, on allait jusqu'à Cascais au Portugal, après on a fait le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Australie, les Philippines, la Chine, plein de choses en fait. Vu tous les pays, j'ai fait un des trois caps, donc on va dire que sur le kilométrage... Lequel ? Le cap de Bonne-Espérance, oui c'est ça, Bonne-Espérance, en l'occurrence on devrait c'est parler... L'Afrique, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. On devrait plutôt parler de Cap Lewin parce que le cap de Bonne-Espérance n'est pas le dernier cap de l'Afrique. C'est le cap. Et en plus, vous vous y connaissez en géographie. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Absolument génial. C'est, ouais. Honnêtement, c'est fondateur, je pense, dans tout un tas de choses. Déjà parce que quand vous êtes en Calais-Minet, que vous avancez pas du tout, mais que vous avez un ciel étoilé, en fait, vous fonctionnez sur un bateau par quart, c'est-à-dire toutes les 4 heures, vous changez, vous allez dormir. Ça vous permet un petit peu de réfléchir à beaucoup de choses quand c'est calme. Et puis, à contrario, quand vous êtes pris dans un coup de tabac et que vous êtes malade à crever, mais que si vous voulez pas avoir de gros problèmes, il faut vous bouger sérieusement et puis aller faire votre changement de voile, vous en apprenez beaucoup sur vos capacités physiques, psychiques, mentales, tout ce qui va bien, dans un environnement qui est absolument génial parce que vous êtes aussi très dépendant des autres. Donc moi j'ai eu la chance de passer sur à peu près tous les postes puisque j'ai commencé sur le foredeck, c'est-à-dire à faire du changement de voile, puis à la fin j'ai fini en tant que barreur. Mais entre temps j'étais responsable d'aller voir ce qui se passait en haut du mât. Donc le mât il était à 30 mètres et moi j'avais une trentaine d'années, mais j'avais une petite jeune fille de 18 ans qui était chargée de m'assurer dans le pit. Donc on apprend très vite à faire confiance aux autres, et c'est super intéressant de ce point de vue-là. Beau travail d'équipe. Et qu'est-ce que vous avez préféré en fait pendant ce tour du monde ? Vous avez une chose que vous avez retenue ? Ah, les Cayes Pyrénées au Brésil ? Non, je rigole. non, je pense l'aventure humaine. J'ai pas fait le service militaire comme a pu le connaître mon père, qui je pense a été une grande période pour lui. En tout cas, il a encore des copains du service militaire et je pense que ça a été une erreur de ce point de vue-là parce que on fait des amitiés absolument fabuleuses dans ces périodes-là. Et moi, sur cette année-là, je me suis fait aussi vraiment des amitiés très intéressantes. J'étais le seul, on était deux Français en fait, parce que c'est une course anglo-saxonne, que les Français sont des spécialistes de la haute mer, mais en solo, et que les Anglais sont des spécialistes en équipe. Donc c'est deux mondes à part. Donc là, il y avait deux petits Français, moi, une jeune fille qui habite sur les îles anglo-normandes. Et donc on s'est fait des amis avec des gens qui venaient du Brésil, des États-Unis, d'Australie, de toutes les régions d'Angleterre, parce que là-bas c'est voilà, quand on dit qu'on est gallois, on est gallois, quand on est écossais, on est écossais, pas Royaume-Uni, et les Anglais sont des Anglais, donc chacun chez soi. Voilà, exactement. Voilà. Ça, faut que ça soit bien rangé ces choses-là. Effectivement, ouais, ils se mélangent pas trop. Hein. Et d'ailleurs, les bateaux étaient sponsorisés par des villes. Et moi, j'ai navigué sur deux bateaux en particulier, un bateau chinois qui s'appelle Qingdao. Un peu plus connu maintenant parce que lors des derniers Jeux Olympiques en Chine, les épreuves nautiques étaient là-bas. C'est pour ça qu'ils sponsorisaient le bateau d'ailleurs. Et j'ai également navigué sur un bateau qui s'appelait Glasgow. Donc une ville absolument magnifique que je vous invite à visiter. Eh bien on fera ça en pensant à vous. Rémi, Chloé, Juliette et Solène interviewent Jérôme Bourgeois, le dirigeant de l'Atelier des Chefs et puis d'un nouveau concept justement qui parle d'aventure humaine. On va en parler tout à l'heure. Un petit point sur l'Atelier des Chefs peut-être avec une question. Alors justement, vous êtes rentré en France et... Vous nous parliez, je crois, des entretiens qui différaient beaucoup entre l'Angleterre et la France. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'ouvrir votre propre concept, donc l'atelier des chefs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bah en fait, ce qui m'a vraiment choqué, ouais, je crois que c'est le terme, quand je suis rentré, quand j'ai fini la course,
Déjà, il fallait que je choisisse si je reste dans le monde maritime, puisqu'on me proposait de faire partie d'une équipe professionnelle, ou de revenir dans le monde de la cuisine, en tout cas de l'hôtellerie-restauration. Donc j'ai commencé à passer des entretiens aussi bien à Londres qu'à Paris. Et la première question qu'on me posait à Londres, c'était vous venez de partir pendant un an, racontez-moi, ça doit être une expérience fabuleuse de faire le tour du monde. Donc voilà, bah, je m'exécutais, je leur expliquais, et puis c'est vrai qu'en général, ça brisait la glace assez facilement, et puis les interviews se passaient très très bien. Et quand je revenais à Paris et que je voyais des recruteurs, la première question qu'ils me posaient, ils me disaient, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, vous avez 29 ans, vous avez une super carrière, super promotion, pourquoi est-ce qu'on s'arrête pendant un an pour aller se balader autour du monde ? Voilà, c'est les deux styles qui s'opposent. Au demeurant, je voulais quand même revenir en France, mais je me suis dit, quand je vois comment s'effectue le recrutement, il vaut mieux que je sois mon propre patron. Alors, votre projet était d'ouvrir un restaurant. Il est maintenant réalisé, c'est un tout nouveau concept. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Et ça s'appelle ? Sapio. Sapio, ça veut dire humain en grec. L'humain en grec, tout à fait. Alors, en fait, ce métier, le métier de la restauration, c'est un métier éminemment humain, en tout cas pour moi. Donc j'ai trouvé très logique de choisir Sapio pour le représenter. Et ce que je souhaite en fait avec à travers ce concept, c'est de valoriser les savoir-faire. C'est fondamental en cuisine, mais c'est fondamental aussi en salle. Tous les aspects du métier font appel au sens humain, entre guillemets, mais aussi à une certaine technicité qu'on acquiert avec le temps. Donc il y a vraiment tout ça. Et également, le métier de restaurateur et de cuisinier tout particulièrement est dépendant d'un tout un tas d'acteurs. Ce sont déjà vos fournisseurs, puisque vous avez travaillé avec des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs. Vous avez également travaillé avec des gens qui vont vous proposer des tables, des chaises, des verres, des couverts. Et c'est vrai que la France a développé des compétences certaines en art de la table, en art culinaire et du service, comme on dit. Parce qu'en général, je crois que c'est les noms qu'ils ont donnés au diplôme maintenant. Donc moi, j'ai vraiment essayé de capitaliser sur cette force que connaît notre profession. Et puis de la mettre en avant. Donc, j'ai choisi quatre piliers pour le concept. L'humain. Et là, c'est une cuisine très ouverte pour que nos chefs puissent s'exprimer, que le client puisse voir la cuisine se faire. Le produit, on a choisi une philosophie locavore, c'est-à-dire qu'on se fournit à 80-100 km à la ronde, ou alors on va se fournir en IGP, AOC, donc des produits qui demandent une certaine compétence et qui suivent un cahier des charges. IGP. Respect. IGP. Indication géographique protégée. AOC, appellation d'origine contrôlée. Voilà, ça. Oh, j'ai décliné plus vite que les étudiants. Et donc, c'est un contrôle continu en fait. C'est ça, exactement. Cette émission est un contrôle continu. Je prends des notes de toute façon. Oui, je vois bien, je vois bien, Rodolphe, c'est très bien. Les notes. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Ouais. Ensuite, le troisième pilier, c'est la transparence. Et ça se fait à travers un petit peu l'usage de tablettes, puisqu'on remet à nos clients des tablettes pour pouvoir choisir leur menu et commander, mais aussi accéder à toutes les informations sur nos fournisseurs. Donc ils savent que, en tout cas chez Sapio, on va pas leur servir de la poche ou du moelleux congelé qu'on aura collé dans un four pendant 8 minutes à 200 degrés, puisque le moelleux, ils le verront faire devant eux. Donc c'est vraiment cet esprit-là, c'est essayer de travailler, de démontrer que c'est un métier, c'est un métier la restauration et tout ce qui va avec, et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et le dernier, pilier indispensable à tout métier de service, la convivialité. J'aime les restaurants où on peut vivre et non pas ceux où on a l'impression d'être engoncé dans un costard et que vous avez le droit à rien faire ni même lever le petit doigt, donc voilà, j'aimerais que mon restaurant soit relativement libre de ce point de vue là et qu'on puisse se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Ça vous parle, les intervieweurs, ça, ce concept là et cette façon d'élaborer une stratégie d'entreprise un petit peu différente? Oui, l'utilisation de nouvelles technologies, c'est quelque chose qui commence à se développer en France. Mais moi j'aurais une petite question, vous n'avez pas peur que les tablettes remplacent les serveurs ? Non, parce qu'en fait pour moi j'utilise les tablettes pour justement renforcer le côté humain. C'est-à-dire que j'ai fait développer un système qui va permettre d'éviter tout un tas de questions qui sont très secondaires pour moi. J'ai toujours été choqué quand on va dans un restaurant, et même si on y revient régulièrement, on va toujours vous poser les mêmes questions. Votre viande, est-ce que vous la voulez saignante? Quelle est la cuisson de votre viande, etc. Donc j'ai demandé à l'agence de me créer ce que j'appelle un cardex de restaurant. Et quand les gens vont remplir leur profil, ils vont indiquer quelle est la cuisson de viande qu'ils veulent.
ça, on n'aura plus besoin de leur poser la question. Et en salle, ils auront qu'une seule chose à faire, c'est de s'occuper du bien-être du client. Et non pas leur poser des questions à tout bout de champ, et de les bombarder sur tout un tas de trucs. On est sur le site internet, on donne les informations sur nos vins, sur nos producteurs, sur l'origine de nos produits. Ce qui fait qu'on peut se concentrer sur une seule chose, sur le bien-être du client. D'accord. Donc c'est un outil, c'est pas du tout fait pour remplacer... Ça vient d'où tout ça, Jérôme Bourgeois, pour ce concept Sapio et dirigeant de l'atelier des chefs qui nous rejoignent. Ça vient d'où ces idées-là et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à traduire cette stratégie d'entreprise de cette façon? Bon, je pense que c'est juste une... C'est que vous êtes une genèse de toutes mes expériences professionnelles. C'est vrai que j'ai travaillé dans beaucoup de domaines différents. Au sein de l'hôtellerie restauration, j'ai fait du luxe, voire de l'ultra-luxe. J'ai travaillé dans le fast-food. J'ai travaillé dans de l'hôtellerie classique, dans des restaurants plus simples, dans des pizzerias. Et toutes ces expériences m'ont apporté quelque chose parce que j'ai toujours choisi des postes pour une raison bien précise. Si j'ai été dans le fast-food, c'était pas pour apprendre à cuire des steaks, je vous rassure, mais c'était pour apprendre à gérer une entreprise. Parce que quand il s'agit de gérer une entreprise au cordeau, vous allez chez Mac ou chez Quick, je peux vous assurer que vous allez apprendre. Une des choses les plus importantes en restauration, c'est de ne pas se planter sur justement ce volet gestion. C'est bien de se faire plaisir, c'est bien de faire des belles assiettes, etc. Sauf que si vous ne les vendez pas au bon prix sans contrôler vos marges, vous allez avoir un gros problème à la fin de l'année et vous risquez de fermer votre rideau. Donc l'idée est vraiment de travailler là-dessus, de se former en allant, on va dire, chez les meilleurs. Moi, je n'ai pas de mots autres que pour définir en termes de qualité de gestion McDo ou Quick. Mais à côté de ça, pour apprendre la cuisine, j'ai bossé avec des étoilés. Et là, effectivement, j'ai vu en travaillant avec des meilleurs ouvriers de France ce que c'était que la plus belle cuisine. Deux dernières questions pour Jérôme Bourgeois. Comment s'est passée l'ouverture? Il y a une semaine, c'est ça? Donc voilà, il y a une semaine. On a ouvert vendredi dernier. Je l'ai volontairement voulu très calme parce que le concept est novateur et l'arrivée des tablettes fait que le métier de service est radicalement différent. Je me donne une semaine, 10 jours pour que les équipes soient habituées au nouveau système. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à communiquer sérieusement et essayer de remplir, tout simplement. Et pour faire une petite conclusion, avec le recul et toute l'expérience que vous avez acquise, est-ce que vous conseillez ce métier? Oui. Lequel d'ailleurs? Parce qu'il en fait 36, si j'ai bien compris. Le métier général de l'hôtellerie restauration? Non, pour moi, c'est un très beau métier. C'est un métier difficile. C'est quoi votre métier d'ailleurs, Jérôme? Je pense que je suis encore cuisinier parce que je garde un œil sur ce qui se passe dans les cuisines. Et si vous allez voir le restaurant, vous allez voir que je l'ai construit pour un cuisinier. La cuisine, c'est le plus beau, c'est le théâtre. C'est là que j'ai beaucoup investi. Comme l'aurait fait un chef, entre guillemets, avec son propre restaurant. L'ultime question, si vous permettez les intervieweurs, je vais me permettre de la poser. J'ai une question de Cécile, qui est l'animatrice du groupe Plateau, dont vous faites partie. Plateau, c'est une façon de se former. Quand on est dirigeant d'entreprise, vous voulez peut-être nous dire en quoi c'est important, justement, de vous former tout au long de votre parcours professionnel. Et puis répondre peut-être à la question de Cécile. C'est quoi l'idée d'après, l'idée de Jérôme Bourgeois? Dans 6 mois, 1 an, 2 ans, vous l'avez déjà à l'esprit? Ah oui, non, moi la cible c'est déjà d'avoir un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Ils sont incroyables, ces entrepreneurs, ils tiennent pas en place. Non, parce qu'il faut avoir des idées, mais aujourd'hui Sapio à Nantes, le premier il fait 300 mètres carrés, mais j'ai des idées pour en faire un de 1000 mètres carrés, donc voilà. Quand j'aurai fait mon emporium Sapio, je trouverai autre chose. Vous trouverez autre chose. De toute façon, ça, on peut vous faire confiance. Qu'est-ce que vous réussissez, Jérôme, puisque c'est le titre de cette émission, réussir? Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Vous avez encore un peu de temps avant la fin de cette émission pour répondre à cette question. Rémi Chloé, Juliette et Solène interviewaient Jérôme Bourgeois, le gérant et dirigeant de l'atelier des chefs, puis du nouveau concept Sapio Centre-Ville, juste à l'angle intérieur du cours des 50 otages et de la rue du Calvaire. La rue s'appelle ? Rue de la Clavurerie. Merci beaucoup, Jérôme Bourgeois, d'avoir été Merci avec David. Nous. Merci, David. D'en réussir.